L'association BICEP, c'est l'ancien groupe qu'on appelait le culte élevé à Paris, qui s'est transformé il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, en une association de 1901, association culturelle, avec la dimension culte que nous organisons tous les derniers dimanches du mois à 15h30 au 47 rue du Long, dans le 17e, pas loin d'ici, dans le temple luthérien de l'Ascension. Nous avons, cette association a une dimension culturelle, c'est vrai, et c'est la dimension culturelle qui nous réunit aussi en de telles occasions, mais une dimension culturelle aussi. D'entraide et de solidarité. MICEP, c'est Mission Solidarité, Culture et Entraide Protestante. En majorité composée de Togolais, d'abord presbytériens et méthodistes, puis catholiques, et puis c'est ouvert à tout le monde. Qu'on croit, qu'on ne croit pas, on peut être membre de cette association qui ne nous demande rien, rien du tout, seulement d'être avec nous pour que, quand de telles occasions de joie ou de tristesse, nous soyons ensemble. Nous sommes à l'étranger, parce que nous sommes un peu d'ici, vu le nombre d'années que nous avons passées ici pour certains. Certains ont passé plus d'années d'ici que sur leur terre natale. Donc, nous sommes un peu d'ici, mais on veut que nous nous soyons. On a toujours le regard tourné vers là. Et on se sent quelque part toujours un peu étranger. Donc, c'est un espace qui nous accueille, qui nous réunit pour des moments de joie, des moments de tristesse, pas plus que ça, et être, se tenir chaud quand il fait froid. Et partager, c'est un espace de partage. Donc je nous inciterai à adhérer à cette association. Ça n'a rien de politique ou de quoi que ce soit, mais c'est juste être ensemble, vivre en grande fraternité, pour qu'en de telles occasions, on soit tous ensemble. Vous pouvez aller sur le site MICEP. Nous avons des signets au fond du temple. En partant, prenez-en chacun un. Il y a tous les renseignements dessus et nos cultes sont retransmis, les derniers dimanches sont retransmis en direct. Avant c'était sur Facebook et YouTube, mais depuis on a des problèmes avec YouTube. Parce qu'il nous faut au moins 1000 adhérents pour pouvoir avoir accès à l'espace qui nous permette de retransmettre. Depuis un certain temps, on ne nous trouve plus en direct sur YouTube parce que peu ont adhéré. La fois dernière, j'ai fait à peu près 200, 300, pas plus. On a besoin encore de 700, 800. Allez, cliquez dessus, abonnez, et puis ça nous ouvre l'espace pour pouvoir retransmettre nos actions. Vous voyez, comme ça, on les retransmet en direct aussi, pour les gens qui sont au Togo. Donc, aidez-nous en étant là, prenez les signets, allez sur le site, cliquez, abonnez-vous sur YouTube, ça nous permettra de diffuser ce que nous faisons. Et ensuite, vous pouvez adhérer aussi sur le site. Il n'y a pas de droit d'adhésion. Mais après, donc, si vous voulez faire des dons à l'association, vous pouvez toujours. Parce que tout ce que nous récoltons comme argent sert à financer des projets au Togo. Donc, nous vous attendons nombreux à adhérer, à être ensemble, pour vivre ensemble des moments de joie et des moments de tristesse. Parce que la vie est si faite. Ne soyez pas seul dans votre coin. Vous avez des frères et des sœurs. Nous sommes tous là. On dit toujours, c'est des problèmes. Oui, moi aussi j'étais comme ça, même en arrivant dans ce pays, j'avais dit, je suis venu me cacher ici. Mais ça m'a pris, et je suis dans le filet depuis, et je me suis retrouvé devant, et président de l'association aujourd'hui, et pasteur, conduire cette association sur le plan spirituel aussi. J'y suis, on essaie de réguler comme on peut. Là où il y a des êtres humains, il y a toujours des problèmes. On est bien devenu très veillant. Ça arrive, ça c'est humain, c'est ce qui fait la société aussi, c'est ce qui fait la communauté des humains. Mais on ne peut pas s'arrêter là. On a aussi des régulateurs qui nous permettent de faire chemin ensemble. Donc c'est ce que je voudrais partager avec vous en ce moment. Et notre présence ici avec la chorale, merci à la chorale qui nous accompagne très souvent et qui est toujours là.
Merci à vous d'être là aujourd'hui pour cet événement. Que le Seigneur nous bénisse chacun et qu'il nous bénisse tous. N'oubliez pas le Seigneur. Thank you.
viendront et diront : venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob. Il nous instruira de ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. Car la loi sortira de Sion et la parole de l'Éternel de Jérusalem. Il jugera entre les nations et sera l'arbitre de plusieurs peuples. Maison de Jacob, venez, marchons à la lumière de l'Éternel. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Ayez du corps de Léo, Atso, Aglorena, Minamia, Yéo, après tout là, Jacob, après la mort, les voici à lui, les un peu morts, Ayez mis à son, un peu tôt peu, et la bena, nous fiamme, Atso, Zion, Ayez Yéo, après Nia, Atso, Jérusalem, Jacob, après, Mito, mais mis à son. Amen.